Hey, salut les loulous, c'est Sébastien de la chaîne WoW Collector en compagnie de Neden et de Nikki. Je suis bien entouré encore pour cette vidéo là. Donc petite vidéo, mais ce sera une vidéo extrêmement très rapide. Ça sera uniquement pour vous présenter la petite figurine Annabelle de la marque NECA. Donc eh bien, il existe deux versions de cette figurine là. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai achetée et je pensais recevoir la version avec la vitrine et la chaise et en fait pas du tout. Donc il y a deux versions. Donc il y a une version, comme je vous ai dit, avec la chaise et la vitrine, où la figurine est un peu plus petite, mais on voit les articulations. Et alors que celle-là, elle est exactement fidèle au film, elle est parfaite avec une belle petite robe et tout. Donc ça, c'est la version ultime d'Annabelle. Mais il manque la vitrine et la chaise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver l'autre. Et avec les deux figurines, n'en faire qu'une. Donc celle-là devrait rentrer dans la vitrine avec la chaise. Je veux vraiment un truc qui soit vraiment accurate au film. Et c'est ce que je cherchais à faire pour la figurine d'Annabelle. Mais je vais vous la présenter quand même, ça va être très rapide. Bon, je vais l'unboxer en même temps que vous. Hein. Devant vous. Hop. Ah, je vois qu'il y a un petit truc là pour la où elle est attachée. Donc je fais pause, je vais chercher un truc pour couper parce que je n'ai pas sous la main. Bon voilà, j'ai coupé le petit truc qui servait à maintenir la figurine. Donc c'est une figurine assez simple, hein, voilà, je l'ai en main. Je vous ferai des visuels d'un peu plus près, je mate un peu ce qu'il y a. Donc c'est une petite figurine articulée, toute simple. Hein. Les HS d'Annabelle, eh bien, il y en a au nombre de deux et sont terribles. Franchement, ils sont bien faits. Ouais, la robe elle est sympa et tout. Donc c'est vraiment une petite figurine pour agrémenter votre display. Voilà, si vous faites les collections de films d'horreur et tout, moi vous avez bien vu que j'avais fait la vidéo de Pennywise déjà, donc le clown du film ça. Dans la prochaine vidéo que je vais tourner certainement à la suite, là, je vais vous faire la figurine de la nonne Valak. Donc en fait là je commence un petit set de films d'horreur de notre temps et j'ai trouvé qu'Annabelle avait sa place. J'aime bien les films Conjuring, donc voilà, je la voulais. Mais je vais essayer de trouver donc l'autre, comme je vous disais, pour faire la vitrine et la mettre dans sa vitrine assise. Donc je vais vous faire un petit visuel de plus près et je vous reprends après. Voilà, petite figurine bien sapatoche. Voilà, ça coûte pas bien cher, hein. C'était en solde dans le magasin des Rift Store. Donc j'ai profité de l'occasion, je crois qu'elle m'est revenue à 25-26 €. Donc c'est un petit plaisir à pas cher. Franchement, elle fait son effet. Je pense que quand elle sera dans la vitrine avec la petite chaise, ça claquera pas mal à côté des autres figurines de films d'horreur.
Voilà, donc c'était une vidéo assez courte hein, pour vous présenter vraiment un produit, c'est un produit d'une marque que je ne connaissais, enfin que je ne connaissais pas, je connaissais deux noms mais j'avais jamais eu encore de produit entre les mains, donc c'est la marque NECA, qu'on fait un très bon job. J'ai vu aussi qu'il y avait en préco le Chucky et la fiancée du Chucky, je pense que pareil à peu près de la même taille, je pense que je vais prendre aussi pour faire vraiment le set film d'horreur. Donc voilà, belle petite figurine, à pas cher. Donc prochaine vidéo, ça sera la vidéo de la non-balak. Que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin aussi et je vais vous la présenter juste derrière. Elle m'a l'air d'être vraiment top, c'est vraiment une figurine que je voulais dans ma collection et surtout de cette marque là, c'est la meilleure. Il va y avoir aussi donc comme je vous ai dit la balle dure, donc ça ce sera une statue donc du film God of, du jeu vidéo God of War. Elle doit arriver d'ici un ou deux jours, elle est en transit. Donc j'espère pouvoir faire la vidéo avant de commencer le travail, parce que je travaille le week-end, donc ça va être très short pour faire la vidéo. Je vais essayer au moins de tourner, c'est pas dit qu'elle soit postée, je pourrais peut-être pas le montage. Je vous ferai ça plutôt lundi, donc vous aurez ça la semaine prochaine. Donc bah voilà, salut le loulou. Et puis bah je vous dis à bientôt bah, pour une prochaine vidéo.